La famille CroisiEurope s'agrandit. Aujourd'hui ont été inaugurés 3 nouveaux arrivants, le MS Lafayette, la Madeleine et Anne-Marie, des bateaux qui vont représenter ce qui se fait de mieux chez les croisiéristes. Que ce soit en termes de confort, de service ou encore d'espace à bord, tout a été pensé pour offrir une qualité irréprochable aux clients. Au programme également, de nouveaux parcours, comme le MS Lafayette qui partira non pas de Strasbourg comme à son habitude, mais de Bâle jusqu'à Amsterdam. Quant aux péniches, des croisières plus alsaciennes seront prévues. Ce sont de nouvelles destinations, tout en restant en France, même pour les Alsaciens, à partir de Strasbourg et aller à Saint-Gilles au-dessus du plan incliné d'Arzviller en passant par Saverne, le Korsberg, c'est une destination magnifique tout en étant dans notre région et on découvre une autre manière de voyager sur les canaux de France. On était connus pour les fleuves, mais là c'est une nouvelle manière également de découvrir notre beau pays. Tout au long de la matinée, représentants, parrains, marraines et porte-parole d'Alsace se sont succédés au micro pour féliciter les avancées réalisées par CroisiEurope depuis sa création en 1976. Comme le veut la tradition, le père Keller a baptisé les nouveaux venus et ils n'ont pas échappé à la bouteille de champagne lancée contre la coque. Madame Reed, marraine, a très bien cassé cette bouteille de champagne. On est un peu, comme on dit, superstitieux. C'est important, la seule bouteille qui n'a pas cassé sur l'un de nos bateaux, c'était un bateau avec beaucoup de problèmes. Donc à chaque fois, c'est un grand moment, on retient notre souffle, mais le travail a été très bien réalisé par nos parrains, marraines successifs. C'est grâce à un investissement total de 25 millions d'euros que le MS Lafayette, la Madeleine et Anne-Marie ont rejoint la grande famille qui se compose déjà de 34 bateaux. Mais la société ne compte pas en rester là puisque les projets en 2015 se dessinent déjà. Redécouvrir la Loire avec un bateau à aube, développer les croisières sur le Douro au Portugal et inaugurer le Rhône Princesse, futur joyau des fleuves du Rhône. Même avec le succès de sa société et des projets plein la tête, Christian Schmitter n'en oublie pas sa région et ses habitants. J'en profite également pour remercier tous les Alsaciens qui regardent votre chaîne et qui nous sont fidèles également. Merci beaucoup de leur fidélité et on est très fiers d'être Alsaciens.